si vous avez vu la vidéo où choper où je parlais de perles de tapioca, eh ben ils m'ont envoyé un colis avec des échantillons entre guillemets et je suis trop contente parce que je m'y attendais vraiment pas en fait à tout ça. Et je vais vous montrer d'ailleurs qu'est-ce que j'ai reçu. On commence avec la farine de coco. C'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Donc voilà, merci beaucoup. J'ai hâte. Bien sûr, les perles de tapioca. Donc j'ai reçu un deuxième paquet parce que j'en ai déjà acheté un. Ça va être pratique pour faire des desserts, etc. Parce qu'il faut encore que je le teste en version bubble tea. Ça arrive, vous inquiétez pas. Un autre produit que j'adore, que j'aime beaucoup utiliser, vous le savez, vous voyez les stories de cheer pudding, etc. Ce sont voilà, des graines de chia, tout simplement. J'ai aussi reçu des maïs popcorn. Donc voilà, on va essayer de faire des petits popcorn, peut-être caramélisés, ce serait sympa, je pense. Des graines de lin. Alors, les graines de lin, j'ai l'habitude de les utiliser soit en préparation du gel de lin, donc pour les cheveux, sinon je les mets dans mes smoothies. Le tikka masala. Et je suis très contente parce que moi j'aime énormément utiliser ce genre de, voilà, de mélange d'épices, tout ça. Et j'adore la cuisine indienne, donc ça va aller sûrement dans des recettes de peut-être... bon, on verra, je vous dirai plus tard. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je suis trop contente. Bon, je vous ai dit en story cette semaine que, à part tout ce qui est food review, les recettes, donc tout ce qui tourne vraiment autour de la nourriture, j'aime bien aussi vous partager un bout de ma vie. Donc, c'est pour ça que je dis que ce que je fais surtout sur qualité actuellement, donc vraiment depuis cette année, c'est voilà, documenter ma vie pour en garder des souvenirs pour plus tard. Et que voilà, ça devient une sorte de digital diary.
Et voilà, pour ceux qui ne le savent pas, et ceux qui le savent, comprendraient très vite. Donc, à part qualité, bien sûr, à part Kaelo, donc tout ce qui est création de contenu culinaire d'un côté, plus vlog, lifestyle, et création de contenu gaming, je suis dans un studio qui s'appelle Red Racket et qui fait du jeu vidéo. Et à un moment, j'avais teasé un petit peu en disant « Oui, on aura une nouvelle à annoncer, vous ne saviez pas si c'était par rapport à qualité, vu que je le disais un peu sur qualité, ou si c'était par rapport à autre chose. » Et la nouvelle est tombée aujourd'hui, l'annonce officielle, on est le 18 avril 2024. C'est le partenariat. Donc là, c'est un partenariat avec des éditeurs et Red Racket. C'est le nom du studio. Et ici, vous avez New Tales et ici, vous avez Boiler. Donc voilà, c'est la grande annonce qui fait que notre rêve de faire du jeu vidéo, enfin nos métiers, il est en train de se réaliser après plusieurs années à se dire « Allez, on va faire un jeu. Allez, on va essayer de faire des choses dans le jeu vidéo. » Et c'est aussi un rêve de petite fille, parce que depuis que je suis toute petite, vous voyez les prises de contact qu'on faisait au collège, au lycée. Donc moi, j'avais écrit que je voulais être dans le jeu vidéo. De base, j'avais écrit développeur de jeux vidéo. Et moi, je me rappelle qu'au lycée, vu qu'on devait le dire à haute voix, il y a une partie de la classe qui s'est moquée. Et je me rappelle même que le prof, en ce temps-là, s'était moqué, je ne sais plus c'était prof de quelle matière. Mais c'est pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de moqueries concernant ce rêve, entre guillemets, que ce soit vraiment du corps professoral, que ce soit le personnel éducatif, que ce soit les élèves et aussi les personnes dans la famille. Rassurez-vous, pas mes parents et pas mon frère, eux, ils ont toujours été très enthousiastes, ils ont toujours été d'un grand support. Et voilà, donc il y a eu beaucoup de moqueries et je suis très contente de me dire que voilà, je peux officiellement vous dire que voilà, je travaille dans le jeu vidéo, dans un studio de jeux vidéo. C'est incroyable. Alors, je suis très émue, très touchée. Je ne vais pas forcément le montrer à la caméra, mais je suis très fière de mes amis Dynast TV pour tout ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font actuellement. Et ce qu'ils feront pour Red Racket. Et voilà, je suis juste très contente et je voulais vous partager ça dans ce vlog parce que c'est une semaine un petit peu dans ma vie et comme ça tombe, voilà, aujourd'hui jeudi, je me suis dit c'est important de le mettre dedans. Donc voilà, c'était vraiment le partage du jeudi soir. Bon, vous avez vu un petit peu aussi ce que j'ai fait dans la journée où j'ai fait mes courses skincare. Donc là, il est déjà tard, il est 18h, donc je vous montrerai ça demain, vendredi. Et puis voilà, merci de m'avoir écouté. Ciao. C'est rêver grand et commencer petit. De deux, soyez autodidacte. Quand j'étais à l'université, moi ce qu'on nous a appris, c'est que les profs donnaient toujours un tiers et les deux tiers, c'était les étudiants qui s'en occupaient. Et c'est quelque chose que j'ai toujours emmené jusqu'à aujourd'hui. On va prendre un exemple tout bête. Sur Facebook, création de contenu. Ça va être tout le monde, on attend dans le mais adresse, prix, si on a. Bon, la mise PDB, on est fait le marta, mais où tu n'as qu'à l'église, pas une à quelle plat, est-ce qu'à l'église. En fait, on a tendance, ici, je trouve, à attendre que toutes les informations nous soient données sur un plateau d'argent, que les gens n'ont pas envie de. Ils n'ont pas cette habitude de chercher les choses. Entourez-vous, ça c'est le troisième point, entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous de personnes qui auront envie de vous pousser. Bonsoir, donc ça va être la dernière partie de cette vidéo et je vous avais dit hier que j'allais vous montrer la skincare que j'ai achetée chez Skinshare MG sur Instagram. Et j'ai acheté beaucoup de produits, je crois que c'était quasiment une skincare complète et on ne va pas tarder.
directement, on commence par un produit qu'on voit très souvent sur TikTok. Je pense que vous connaissez, que vous avez déjà vu. C'est le nettoyant, enfin l'huile nettoyante de Hanwha. Et voilà pour à quoi ça ressemble. On continue avec le nettoyant à base d'eau. Donc c'est celui de Unique. J'espère que je le dis bien. Et c'est à base de Centella et en fait c'est une mousse, c'est ça qui est super. Et ça en fait on va l'utiliser vraiment après l'huile nettoyante, tant qu'une fois que voilà on a rincé le tout, etc., etc. Alors je vous fais ça vraiment dans l'ordre. On continue avec les toner pads de Hanwha toujours. Apparemment aussi qui est très connu, je l'ai beaucoup vu sur TikTok. Donc déjà rien que le packaging est très beau. Et je vais faire très vite parce que sinon ça va sécher. Mais comme je disais, voilà, ce sont des pads qui sont imbibés, voilà, qu'on va frotter directement sur la peau. On continue avec une ampoule, donc c'est vraiment la première fois que je vais utiliser le produit de Madagascar Centella. C'est de Skin 1004 ou 1004, j'espère que je vous dis bien. Et c'est une ampoule qui est à base de Centella et qui est vraiment bien pour tout ce qui est peau sensible. Les petites rougeurs, ça hydrate aussi. Et voilà, celui-là, il est c'est un flacon de 100 ml. On passe à la niacinamide que j'utilise depuis que j'ai commencé vraiment le côté skincare un peu coréen surtout. Et c'est celui-là. Donc vraiment, tout ce que je suis en train d'utiliser là, c'est vraiment pure découverte. Et voilà, c'est du sérum à la niacinamide. Cette crème, je l'ai souvent utilisée. Je l'ai utilisée pendant un long moment parce qu'elle me tenait vraiment longtemps. C'est celle de Cosrx et elle ressemble à ça. Et vraiment, ben ça a la texture un peu. Enfin, c'est très léger, c'est très. Ça a la texture un peu liquide et en même temps, il y a ce côté bave d'escargot. On finit avec, bien sûr, c'est très important, c'est le SPF, l'écran solaire. Et j'ai pris celui-là. Et ce que j'aime beaucoup, parce que vraiment c'est ce que j'ai demandé, c'est que est-ce que ça a un fini plutôt léger et pas un fini gras. Et vraiment, déjà ça ne se voit pas sur la peau, mais en plus vraiment au toucher c'est très doux, c'est très lisse. Il est tout mignon. Je sais pas combien ça va durer dans le temps. Je vous montre l'intérieur. On fait tourner et puis voilà. Et voilà, les amis. On finit la vidéo de ce vlog d'une semaine avec moi, entre guillemets. C'est pas tous les jours. Mais voilà, on finit sur ça. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et si jamais, pour le côté skincare, vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et surtout, pour les prix, je ne me rappelle quasiment de rien. Donc, n'hésitez pas à passer sur la page de Skinshare. Donc, c'est skinshare.mg. Donc, voilà. On finit sur ça. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite un très bon week-end. Et on se dit à très bientôt. Ciao!